ça devient un lieu très saint. Psaume 145, oui, on va se lever et on va lire ensemble, on va exalter le nom de Jésus, on va bénir encore que son règne, on va proclamer que son règne est éternel. Et quand Jésus nous a appris comment il faut prier, il a dit que ton règne vienne. Et maintenant, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il est parmi nous, il est au-dedans de nous, chacun de nous. Donc, de l'intérieur, de notre homme intérieur, on va manifester, on va l'exalter encore plus en disant ensemble dans le nom de Jésus, « Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom pour toujours et toujours. » Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom pour toujours et toujours. Grand est le Seigneur et très digne d'être loué, et sa grandeur est insondable. Une génération louera tes œuvres à l'autre génération, et elle déclarera tes actes puissants. 5. Je parlerai de la splendeur glorieuse de ta majesté et de tes œuvres prodigieuses. On parlera de la puissance de tes actes redoutables, et je déclarerai ta grandeur. Ils proféreront abondamment la mémoire de ta grande bonté, et l'on chantera ta droiture. 8. Le Seigneur fait grâce et est plein de compassion, lent à la colère et de grande miséricorde. Le Seigneur est bon envers tous et ses tendres miséricordes sont sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront au Seigneur et tes saints te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume et parleront de ton pouvoir pour faire connaître au Fils des hommes ses actes puissants et la glorieuse majesté de son royaume. 13. Ton royaume est un royaume éternel et ta domination dure à travers toutes les générations. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous t'attendent et tu leur donnes leur nourriture au temps voulu. 16. Tu ouvres ta main et tu satisfais le souhait de toute créature vivante. Le Seigneur est droit dans tous ses chemins et saint dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent en vérité. Il accomplira le souhait de ceux qui le craignent, il entendra aussi leurs cris et les sauvera. Le Seigneur préserve tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Et ma bouche publiera la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint nom pour toujours et toujours. Amen. Alléluia. On va appeler son nom, on va exalter son nom encore. Avant, on va prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici réunis encore en ton nom, Seigneur Jésus. Conduit par ton Esprit Saint, le seul Esprit de Christ, le seul Esprit de l'Éternel, c'est toi-même qui nous as scellés avec ce Saint-Esprit, Seigneur. Et maintenant, nous sommes ici, renouvelés, restaurés, guéri de toute maladie. Et nous te louerons en ce lieu, Seigneur. Nous te louerons encore et encore et encore. Exalter le saint nom de Jésus-Christ, par lequel tu nous as sauvés, tu nous as bénis. Et par le feu de ton esprit encore qu'on invoque ici en ce lieu, arrache tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Arrache les mauvaises pensées, l'arrogance, l'impertinence et tout, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est vrai aussi, arrache, Seigneur. Nous sommes ici d'un cœur simple, d'un esprit disposé. Nous sommes venus ici pour entendre ta parole, Seigneur. Nous sommes ici pour être entre l'enclume et le marteau, parce que toi seul connais notre faiblesse et les impuretés, Seigneur, comme le prophète nous a appris il y a une semaine. Par ton feu, fais émerger les impuretés et enlève-les encore et encore. Que ce soit marteau, que ce soit l'enclume, Seigneur, nous savons maintenant que c'est pour notre bien.
parce que tu vas nous aiguiser après. Et tu vas. Tu vas prendre entre tes mains les épées prêtes pour le combat. Père Céleste, dans le nom de Jésus, dans cette école pour la famille, merci parce que nous sommes bénis d'avoir des sœurs, des frères et même des enfants, les futures générations qui se lèvent. L'armée du Christ, l'armée céleste, l'armée des saints que tu formes encore et encore. En ce lieu, Seigneur, que ton Esprit Saint souffle, que ton Esprit Saint attise pour ton glorieux nom, Seigneur. Oh Seigneur, c'est merveilleux de porter ton nom, Seigneur Jésus. Élevons nos mains, exaltant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est exalté en ce lieu. Ton nom est béni, majesté, tu sais. Tu es notre roi, tu es notre maître aussi. Majesté, oh Jésus, tout l'univers proclame ta grandeur. Nul n'est plus grand que toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Glorifié par des anges prosternés.
nous sans difficulté. C'est le nom avec lequel le salut est venu, la grâce. Ô Seigneur, le nom de Jésus, par ce nom, nous sommes délivrés. Et par le nom de Jésus, on a reçu la guérison aussi, Seigneur. C'est pour ça qu'on exalte son Saint-Nom en ce lieu. On le loue en ce lieu aussi. Nous sommes rassemblés en ce lieu à cause de ce nom merveilleux. Oui, Seigneur. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Toi qui veux être guéri, invoque le nom de Jésus. Toi qui veux connaître plus de... du royaume céleste, invoque le nom de Jésus. Toi qui veux être délivré de toute addiction, invoque le nom de Jésus. Ce lieu est devenu très spécial en ce moment même à cause du nom de Jésus, car il a dit, là où se réunissent deux ou trois, je suis au milieu de vous. Jésus, tu nous as promis qu'avec ton nom, on va chasser les démons. Tous les liens seront coupés. Les jougs sont brisés à cause de l'onction de ton nom. Ô Seigneur, on est ici pour t'adorer aussi, Dieu. Adore-le. Adore le seul Dieu. Ton majesté te m'élève, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Depuis tes oreilles qui entendent ce nom précieux, sois imbibé, tes pensées, ton esprit, ton âme, que ton cœur soit imbibé par le nom de sa majesté Jésus-Christ. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Les anges nous acclament. Oui, nous acclamons, Seigneur, la beauté de ton Saint-Nom, Seigneur. C'est un nom qui est plein de puissance. C'est un nom qui est plein de beauté, plein de majesté. Jésus, Jésus, ô Seigneur. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Prenons autorité dans le nom précieux de Jésus-Christ et fais l'autodélivrance. La paresse, tout ce qui nous détourne de la présence de Dieu, chasse-les dans le nom de Jésus. Priez.
Je prends autorité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je viens devant tout esprit impur. Je les chasse dans le nom précieux de Jésus-Christ, en ce lieu, dans les cœurs de toute personne ici, hommes, femmes et enfants, dans le nom de Jésus. Je te réprime, toi esprit impur, sors et ne reviens plus jamais dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus des temples de mauvaises pensées. Nous ne sommes plus des temples des maladies. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui habite, qui demeure en nous. Il prend possession de nous, esprit, âme et corps, dans le nom précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ton nom Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit exalté encore et encore dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. On va lire un passage dans Matthieu 11, 29. Qu'on a partagé tôt ce matin, Matthieu 11, 29, c'est le maître lui-même qui parle, Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29, on va lire ensemble dans le nom précieux de Jésus-Christ, Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Jésus lui-même dit, apprenez de moi, apprenez de moi. Il y a quelque chose à apprendre venant de Jésus. Il est docile, il est humble de cœur. Nous savons tous que le Seigneur, il est le roi le roi des rois, mais devant le Père, il a été trouvé docile et humble de cœur. C'est dans Philippiens 2, versets 3 à 9, on va lire encore. Pendant deux semaines déjà, le Saint-Esprit nous a conduits à la méditation de ce qu'est vraiment l'humilité. Philippiens 2, du 3e au 9e verset. Il y a 6 versets à lire, c'est un peu long, mais il faut le lire. Philippiens 2, versets 3 à 9, il est dit dans le nom de Jésus. « Faites que rien ne soit fait par contestation ou vaine gloire, mais que dans l'humilité de pensée, chacun estime l'autre meilleur que lui-même. » Déjà là, Paul nous conduit de ce qu'est l'humilité envers les frères, ses sœurs. Donc, ne te dis pas que je suis meilleur. Mais l'humilité de penser qu'il faut avoir, c'est que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Ok ? Donc, il faut apprendre à avoir cette humilité, à adapter cette humilité, surtout dans l'assemblée. Le prochain verset, pardon. Que chacun ne s'intéresse pas seulement à ses propres choses, mais que chacun aussi s'intéresse aux choses des autres. Quand tu pries, quand tu médites la parole, quand tu intercèdes, intercéder, c'est pas Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Mais dans l'intercession, c'est que tu vas intercéder pour autrui, pour ton voisin, pour ton patron, pour tes sœurs, pour tes frères. Là, que chacun ne s'intéresse pas seulement à ses propres choses, mais que chacun aussi s'intéresse aux choses des autres. Dites avec moi, humilité. Donc, dans l'intercession aussi, il y a aussi cette cœur,
ce cœur humble, humble de cœur aussi. Donc, si vous voulez être des intercesseurs, si vous voulez entrer dans cette mission d'intercession, il faut avoir aussi un cœur humble. Parce que sinon, tu vas t'agenouiller, tu vas peut-être prier pour une sœur, par exemple, mais après, tu vas demander pour toi. Tu vas te voir dans un miroir et tu vas te dire, Jésus, est-ce que tu te souviens de moi? Non, non, c'est pas intercéder. Intercéder, c'est mourir en soi-même et prier, intercéder, se mettre entre toi et Dieu pour demander quelque chose, pour demander la faveur, l'intervention divine pour ta sœur, ton frère. On continue. Que cette façon de penser soit avec vous. Je m'adresse à tout le monde ici. Que cette façon de penser soit avec vous, soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus, qui étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu. Même s'il est Dieu, il était à côté de Dieu, il était au commencement, il est à l'alpha et l'oméga. Mais comment il s'est humilié? Il s'est dessaisi lui-même de sa réputation, a pris la forme de serviteur, c'est-à-dire il a pris la forme d'un homme, d'un simple homme, a été fait à la ressemblance des hommes, à la ressemblance des hommes. Je reviens plus à ce verset, mais c'est dans Genèse 5, au début, Adam a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand Adam et Ève sont tombés, tous ceux qui sont sortis de Adam et Ève sont sortis à l'image et à la ressemblance d'Adam et Ève, mais pas à la ressemblance de Dieu. Mais avec la venue de Jésus-Christ, qui est devenu semblable à nous, qui a été fait à la ressemblance des hommes, qui était maudit, donc à cause de son sacrifice, nous pouvons avoir de nouveau l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, il faut prier que tous les gens qui se disent croyants, qu'ils naissent de nouveau. Parce qu'il y en a beaucoup qui prient Dieu, qui crient le nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés de l'esprit. Alors que Jésus a dit, dans Jean 3, verset 5, qu'ils ne peuvent pas hériter, qu'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. On continue. A été fait à la ressemblance des hommes, et étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant. Donc l'humiliation aussi, l'humiliation, ça c'est autre chose. L'humilité aussi nous conduit à l'obéissance. Dis à ton voisin, tu veux obéir à Dieu? Alors, sois humble. Je redis encore. Donc, l'humilité nous conduit à l'obéissance de Dieu. À l'obéissance de toute la parole de Dieu. Et là, Jésus, il est écrit de lui qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est ça la vie chrétienne, obéissant jusqu'à la mort. On porte le nom précieux de Jésus-Christ à l'entreprise où tu travailles, à l'école où tu travailles, là où tu habites, tu portes et tu dois porter ce nom merveilleux de Jésus-Christ. Tu vas apporter la délivrance, tu vas apporter la guérison. Impose les mains aux malades. Prie pour la délivrance des autres. Même s'ils sont musulmans ou hindouistes ou bouddhistes, le Saint-Esprit qui est en toi est plus puissant. Oui,
Le diable a une puissance. Dis à ton voisin, le diable a une puissance. Mais l'esprit qui est en toi est plus puissant. Amen. C'est pour ça qu'on appelle Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Donc n'ayez aucune crainte de toute puissance, de toutes sortes de puissances maléfiques là. C'est à toi de prier, c'est à toi de prouver que toi tu es un fils de Dieu. Là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit, la manifestation, les signes, les prodiges et les miracles se produiront encore et encore et encore. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. Et quand Paul a écrit la mort de la croix, c'est-à-dire jusqu'à ce que même un Dieu qui est venu dans la chair d'un homme, il est devenu malédiction parce que dans le temps des Romains, tous ceux qui sont crucifiés, on les dit, ce sont des hommes, ce sont des maudits au fait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Peu importe le nom de ton problème, peu importe le nom de tes soucis, peu importe le nom de tes maladies, mais le nom de Jésus est plus précieux et plus et au-dessus de tout le nom. Alléluia. C'est dans Psaume 138, verset 2, je crois. On va lire ensemble. On va lire très vite. Psaume 138, je m'en suis certain, verset 2. Oui. Psaume 138, verset 2, on va lire ensemble. On va imprimer ça dans notre esprit. On va écrire ça dans notre cœur. J'adorais vers ton saint temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité, car tu as magnifié la parole au-dessus de tout ton nom. Tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Alléluia. Vous comprenez? Donc, les noms qu'on cite dans l'Ancien Testament, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Tchitkenu, Jéhovah, Shalom, et tout, et tout, et tout, il y en a au minimum 16. Donc, ce nom-là, il est inclus dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça? Quand l'ange Gabriel il est venu se présenter devant Marie, il a dit, béni sois-tu femme, parce que tu vas porter le Dieu qui a créé l'univers. Jésus sera son nom. Tout ce qui était, toutes les appellations de Jéhovah, les manifestations de Jéhovah dans son saint nom, dans l'Ancien Testament, est devenu dans le nom de Jésus. Amen. Donc, peu importe le nom des maladies, peu importe le nom des soucis et tout ça, les stress et tout ça, peu importe, le nom de Jésus-Christ est plus puissant et est au-dessus de tout. Non, c'est dans Philippiens 2, verset 9, on a vu ça. Amen. Donc, il faut être humble. Moïse, je vous ai envoyé aussi ce SMS dans Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Il a eu ce cœur humble. Et il faut faire attention. Hein. Les Écritures nous disent que Dieu lui-même s'oppose aux orgueilleux. Mais il élève ceux qui sont humbles. Donc, vaut mieux être dans le camp des humbles que dans le camp des orgueilleux, des arrogants. Dis à ton voisin, tu es dans quel camp? Il faut s'humilier les gens. Soyez humbles de cœur. Jésus a dit,
prenez de moi. Les Sadducéens, les pharisiens, quand Jésus a dit « Je suis fils de Dieu », le Père, quand il dit « Le Père », parce que les prophètes, jamais un prophète a dit « Père », mais lui, quand il prie, il dit « Père ». Donc, les pharisiens, les Sadducéens étaient fâchés contre Jésus-Christ. Ils ont dit « Toi, tu es arrogant, c'est le diable qui est en toi, parce que tu es orgueilleux. » Parce qu'ils n'ont pas lu les prophéties concernant le Fils de Dieu. Et ce qu'il va faire des hommes qui vont naître de nouveau au nom de Jésus. On va prendre Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Je vais lire deux versions. Au nom de Jésus. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Une autre version. Or, cet homme Moïse était très docile, plus que tout homme qui était sur la surface de la terre. Il faut prendre l'exemple des hommes qui avaient ce cœur humble, qui était docile face aux ordres donnés par le roi. Alléluia! Il faut fuir, il faut étudier aussi l'histoire de Saül, l'histoire de Corée. Les hommes comme Saül, le roi, les hommes comme Corée, ils ont failli dans leur mission à cause de l'arrogance. Comme Corée, il s'est dit, mais il n'y a pas que Moïse que Dieu parle. Hein? Nous aussi, on peut entendre Dieu. Et je redis encore, Dieu s'oppose lui-même à ceux qui sont orgueilleux. Donc, on va se lever, s'il vous plaît, on va prier. On va chasser cet esprit parce que c'est un esprit. Il faut faire l'auto-délivrance. Parce que quoi que tu lis ici, quoi que tu délies, ça va être délié, ça va être validé dans le ciel. C'est pour ça qu'on nous apprend ici qu'il faut faire tout le temps l'auto-délivrance. Quand vous entrez dans un lieu, faites l'auto-délivrance. Je suis venu ici, je vais prier en ce lieu. La faveur divine est avec moi. Les anges de l'Éternel sont avec moi. Je ne suis pas seul ici. Amen. Il faut prendre possession. Abraham, Dieu, il a dit, là où fouleront tes pieds, tu vas prendre possession. Donc si tu vas, tu vas travailler, tu vas à l'université, même temps, tu vas monter dans un bus, prends possession. Dis à ton voisin, prends possession. C'est au diable de fuir. C'est au diable de fuir. Mais ne dis plus, ah, je sens la manifestation du démon. Non, c'est à eux de sentir qu'il y a un fils de Dieu dans le milieu. Amen, c'est à eux de fuir. Amen. Allez, on va prier, on va chasser cet esprit arrogant, cet esprit d'impertinence, cet esprit orgueilleux qui vient directement de Satan. Chassez-les. Père Céleste, dans le nom de Jésus, on prend autorité en ton nom, Seigneur Jésus. Purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie nos yeux même, notre bouche, nos oreilles, nos mains, nos pieds. Oui, nous sommes ici pour apprendre de toi, Seigneur. Nous sommes ici pour être comme toi, transformé à être comme toi, Seigneur. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons être comme toi. C'est pour ça qu'on prend possession de ton nom, Seigneur. Nous sommes mandatés pour chasser les démons. Tu as dit, vous allez chasser les démons, tous les démons.
ils vont nous obéir maintenant même. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je vous ordonne, esprit arrogant, esprit d'impertinence, esprit d'orgueil, sors de ce lieu dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sors et ne reviens plus et ne prends plus possession de ces âmes restaurées, de ces esprits qui sont devenus liés à l'Esprit Saint jusqu'à la fin du monde, éternellement même dans le nom de Jésus. Prends possession de nous, Seigneur Jésus-Christ. Demeure en nous, Saint-Esprit. Transforme-nous et guide-nous de gloire en gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci pour ce bon moment passé ensemble. En ton nom, Seigneur, on a prié. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans le nom de Jésus.